Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. À toutes, bienvenue sur Europe 1 et bienvenue sur la libre antenne, le 39-21. Alors, Quentin, Corentin, Fabrice et moi-même, toute la petite équipe de la libre antenne, vous souhaitons une magnifique année 2017. Que vos rêves se réalisent, que vos projets se concrétisent, je vous souhaite le meilleur. Mais c'est vrai que ce qui revient souvent en leitmotiv dans cette émission, c'est « All we need is love ». Un vrai programme pour 2017. Alors, j'imagine que vous devez avoir des tas de choses à me raconter. Comment avez-vous fait le saut d'une année à l'autre? Qui avez-vous choisi pour passer la soirée? Et avez-vous eu le choix? Autant de questions qui contiennent en germe l'histoire de votre vie. Ce soir, on parle d'amour et du reste. On en parle d'ailleurs jusqu'à 1h. C'est le premier jour de l'année. Et plus que jamais, on partage. C'est le but de cette émission. Et puis, Quentin et Corentin, fidèles au poste, vous accueillent en standard et partagent aussi leur soirée avec vous. Merci à eux. Merci à Fabrice qui met tout son talent à la réalisation de cette émission. 39-21 donc pour nous rejoindre, le 739-21, en commençant par le mot nuit pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Et nous allons commencer cette émission avec Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir Caroline, bonsoir toute l'équipe et bonsoir aux auditeurs. Bonne année à vous. Et puis bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Merci. Pour cette nouvelle année. Donc, je voulais vous parler concernant mon fils. Oui. Il a 8 ans. Oui. Après, je reste anonyme sur la région dans laquelle il vit et je vis. Voilà. Vous avez le droit. Voilà, je voulais partager avec un peu avec vous, avec les auditeurs, concernant la situation de mon fils. Concrètement, il vit chez sa maman. Oui. Vous vous êtes séparés il y a combien de temps? Il y a 6 ans à peu près. Donc il avait 2 ans. C'est ça. D'accord. C'est ça. Il y a eu un premier jugement. Oui. Parce qu'à la base, on était parti pour un accord à l'amiable qui n'a pas été respecté par sa maman. C'est-à-dire voilà. On devait le garder une semaine chacun et puis elle venait le chercher quand elle voulait sans forcément respecter ce qui avait été convenu dès le départ. La garde alternée donc. C'est ça, mais c'était à l'amiable, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien du tout. Bon, et puis ça s'est pas fait comme ça. Jusqu'au jour où j'ai voulu éclaircir les choses, j'ai voulu mettre tout à plat et contacter un juge. Et puis passer devant le juge pour mettre tout à plat. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que mon fils habite à 300 km de chez moi. Ah oui, quand même. Je ne sais pas comment vous auriez fait pour la garde alternée. Elle n'habitait pas à ce moment-là dans une autre région. Elle est partie. Elle habitait à 40 km de chez moi. Ouais, même ça. Elle est partie après. Ouais, 40 km, c'était pas évident. Si, c'était faisable. J'ai une voiture par l'autoroute ou la nationale, c'était largement faisable. D'accord. Donc là, elle est partie. C'était largement faisable. Donc elle est partie, il y a 6 ans de ça. Et j'ai contacté le juge, j'ai envoyé une lettre au juge des affaires familiales. Et puis, vu que je ne l'avais pas reconnu tout de suite, mon fils, on me l'a imposé. Concrètement, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, je n'avais pas la maturité et l'aplomb pour gérer ça. Ouais. Et ça n'a pas été une décision qui m'a appartenu. C'est une décision qui m'a été imposée. Donc j'assume mon choix, j'assume aussi les jugements de tout le monde. Il n'y a pas de souci, aujourd'hui je le parle avec honnêteté. J'en parle avec honnêteté. Ouais. Voilà. Donc après, j'ai corrigé le tir au bout de 2 ans, on va dire. Hein. Sauf que on m'a imposé d'aller le chercher un week-end sur deux, ouais, à mes frais. Donc tous les trajets à mes frais, et de l'avoir la moitié des vacances. Ouais, c'est assez classique. C'est ça, sauf qu'il était à 300 km. Donc concrètement, aller le chercher un week-end sur deux, c'est pas du tout possible financièrement. Bien sûr. Voilà. Comment vous faites alors? Je l'ai toutes les vacances. Ouais. C'est un accord qui a été mis en place.
sauf ces vacances dernières où je l'ai eu qu'une semaine. Ah, parce que c'était les vacances de Noël et que pour Noël, c'est un peu particulier. Alors, qu'est-ce que vous voudriez, Julien ? Pourquoi est-ce qu'elle est partie à 300 km ? Ben, j'en sais rien. Je sais pas. Il y avait quelque chose qui motivait, elle est retournée dans sa région, elle a de la famille là-bas ? Elle, il n'y avait pas assez de discothèques, il n'y avait pas assez d'endroits pour sortir. Ah, vous croyez que c'est ça ? Ben, c'est ce qu'elle a dit, hein. C'est ce qu'elle a dit, oui, donc ça, pas forcément faux. Et alors, c'est pas forcément vrai non plus. Ouais, comment est-ce que vous pouvez... c'était pour sortir elle. Donc, est-ce que vous croyez c'est que c'est une... Est-ce que vous pensez que c'est une raison qui pourrait tenir devant un juge ? On n'en est plus là. Concrètement, ouais. On n'en est plus là. On en est où ? Moi, ça fait... on en est que j'ai vu un avocat, à titre gratuit, aux Maisons du Droit et de la Justice. J'ai lancé des démarches. Donc toutes les démarches possibles, inimaginables, hein. Enquête psy, visite médicale chez le médecin scolaire, enquête sociale, oui. et une lettre au juge des enfants, parce que je pense que mon fils est en danger. Concrètement, dès que je le récupère, ça fait déjà 6 ans, il est toujours malade. Je peux comprendre qu'il y ait des maladies qui traînent, hein. je peux le concevoir. Oui, surtout dès qu'il va à l'école. Mais à chaque fois, non. Voilà. Mais à chaque fois que je le récupère, il est malade. Il s'endort en classe, voilà, c'est très très compliqué. J'ai aucun contact en fait avec sa maman parce qu'elle veut pas me donner de contact. Et alors, pourquoi vous vous êtes séparés ? Ben en fait, on n'était pas vraiment ensemble à la base. Moi, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte au bout de 2 mois de relation. D'accord. Et cet enfant, vous le vouliez ? Ben, je voulais un enfant, oui. Ouais. Mais pas au bout de 2 mois de relation, surtout basé sur un mensonge. Ouais, je comprends. Quand on veut se protéger, puis qu'au final on se protège pas, il arrive un enfant, quoi. Tout simplement. Voilà pourquoi j'ai eu tant de mal à le reconnaître tout de suite. Ouais, c'est-à-dire qu'on a fait un enfant malgré vous. Et puis vous n'auriez pas forcément choisi de le faire avec elle. Une fois qu'il Mais a été là. Par contre, aujourd'hui, c'est une erreur que j'ai fait il y a un paquet d'années. Non, mais je sais, puisqu'il a 8 ans. Mais je crois que juridiquement, quand vous ne le reconnaissez pas tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué par la suite sur le plan juridique. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que ça joue. Bah, moi, je l'ai reconnu, il n'y a pas eu de problème pour le reconnaître. Non, mais après, si vous voulez, pour le partage de la garde, etc., ça peut jouer. Ça a joué, ouais. Ça a joué, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc moi, aujourd'hui, en fait, que j'ai besoin, c'est si les personnes qui ont été dans ma situation, ouais. C'est-à-dire qu'en leur fait, ressenti voilà, par rapport à tout ce qui va se passer maintenant. S'il y a des auditeurs qui ont vécu une situation analogue, voilà, la même chose parce que vous... Moi, j'ai pas d'avocat, donc je me défends tout seul. Donc si je peux avoir des impressions de personnes, de papa, hein, en l'occurrence, qui ont vécu, j'ai rien contre les mamans. Hein. Non, bien sûr, mais ça arrive aussi. De papa qui ont, ça arrive aussi aux mamans. Hein. Ouais. De parents, on va dire, de parents seuls, qui se retrouvent dans une situation où il faut qu'ils abordent une nouvelle fois la justice. Voilà. Et comment ils ont perçu les choses, quelles ont été leurs réactions, comment ils auraient fait. S'ils avaient eu des conseils de personnes qui auraient été atteintes de la même manière, voilà, ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, c'est quel est le ressenti des personnes qui sont passées devant le juge, quelle attitude à adopter si jamais j'ai la garde de mon enfant par rapport au manque de sa maman. Dites-moi, voilà, parce que forcément... Dites-moi, il n'y a pas une possibilité pour vous d'avoir un avocat à titre gratuit ? Non, parce que je gagne au-dessus du plafond. D'accord, et vous ne pouvez pas prendre un. Je peux pas parce que tous mes sous, je les passe dans les transports pour aller chercher mon fils. Ah là là, et vous pouvez pas vous arranger avec l'avocat en disant que vous le paierez plus tard ou quelque non, chose. Non, parce que je pourrais ordre. Pas. Ouais. Je pourrais pas. Bon. C'est... Et puis il y a des choses que je peux pas utiliser avec un avocat. Voilà, certains comptes rendus de certaines enquêtes, je peux pas les utiliser. Ah bon, et puis pourquoi? Je peux surtout pas, parce qu'ils veulent pas. Il y a des enquêtrices qui ne veulent pas que ce soit utilisé par un avocat. Donc après, le pourquoi du comment, j'en sais rien. Mais et puis, je préfère me défendre tout seul aussi, parce qu'on ne peut pas parler quand on a un avocat. Donc je préfère aussi... Oui, enfin, disons que lui, il a l'habitude de vous défendre. Enfin, dans la mesure où vous ne pouvez pas en prendre un, finalement, le débat, là, n'a pas lieu. Voilà, je cherche les côtés positifs, on va dire. Oui, n'a pas lieu d'être. Je cherche les côtés positifs. Pas lieu d'être, mais bon. Et puis surtout, aussi, comment aborder, quel comportement adopter avec mon fils par rapport à sa maman, si j'ai la garde. Vous savez, il y en a un qui est classique, c'est-à-dire ne pas dire du mal
de la maman et essayez le plus possible de laisser votre fils en dehors de ça. C'est-à-dire bah, que c'est lui, déjà le cas. Bah ouais, c'est-à-dire que il faut, a assez de problèmes comme ça. Ouais, il faut pas qu'il se retrouve otage de ce que vous vivez vous, qu'elle le monte, que vous le montiez également, parce que ça, c'est lui qui va payer les pots cassés, c'est ça qui va le perturber. Et puis il est assez grand pour se faire son jugement de ce qui se passe et de ce qu'il voit. Écoutez, voilà. Grand pour faire son jugement, à 8 ans, vous savez, les parents, ce sont des dieux tout puissants, on croit absolument... Je ne sais pas ce que vous faites, avec... mais là, j'ai un petit bruit dans le micro. Excusez-moi, c'est ouais. La cigarette électronique, oui, excusez-moi. C'est... Voilà, ça vous... c'est gentil. comment vous dire ? Oui, il est perturbé, il est pris, lui, dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire que pour lui, les parents, c'est ce que je vous disais, sont des dieux qui détiennent la vérité absolue. Il croit, et l'un et l'autre. Donc, oui, bien sûr. Donc c'est d'autant plus perturbant, vous avez autant raison que sa mère, et vous allez vous retrouver avec un petit très secoué. Non, j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc moi, je fais très attention à ce que je lui dis. Voilà, et ben rien. Voilà, je parle pas de sa mère en négatif. Non, mais rien, puis, c'est le mieux. Rien, c'est le mieux. Vous lui dites juste que ce sont des histoires d'adultes qui ne le concernent pas lui du tout et qu'il est en dehors de ça et que sa maman et vous allez vous débrouiller pour pouvoir l'avoir chacun à votre tour et lui donner tout l'amour et la protection dont il a besoin. Je vous assure, c'est essentiel parce que très souvent, les petits, ils savent plus à quel sens se vouer, ni comment se... donc, ils ménagent la chèvre, le chou et ils se renferment beaucoup. Bien voilà. Sûr. Enfin bon, après, vous faites... bien sûr, c'est votre fils et... Non, mais moi, je prends les conseils où je peux les prendre. Hein. Je veux dire, je suis pas contre du tout des conseils. Bon, qu'est-ce qu'il vous raconte, lui, le petit ? Bah, lui, il me raconte pas grand-chose. Non ? Concernant sa mère, il me raconte rien. Ouais, bah vous voyez, c'est déjà une façon de la protéger. Déjà, et puis je pense qu'il doit avoir des indications. Il doit avoir des indications, il peut avoir peur. Donc, évitez de lui poser des questions. Évitez de lui poser des questions parce que vous allez le mettre en porte-à-faux. Bien sûr. Mettez-le plutôt en confiance. Et ça le mettra en confiance, de le laisser en dehors. Il pourra redevenir spontané. Mais sinon... Peut-être, comme vous dites, il doit avoir des indications, des ordres. Et puis il a peut-être peur aussi des représailles que ça pourrait lui apporter. Et ensuite, il aime sa mère. Hein, il ne faut pas oublier ça. Ah, mais bien sûr, comme il aime son père. Les deux sont indissociables. Voilà, donc c'est très coûteux pour lui. C'est un peu comme si vous lui demandiez à chaque fois, enfin, quand je ne parle pas de vous, hein, mais on lui demande de choisir entre papa et maman. Et rien n'est plus déchirant pour un enfant. Bien sûr. Voilà. Complètement. Bon. Complètement. Écoutez, alors, il y a Dominique qui envoie un petit message en disant « Avec notre assurance responsabilité civile, si vous en avez une, l'aide juridique est comprise dedans. Il faut que vous regardiez votre contrat si vous avez une assurance. » C'est déjà fait, j'ai pas le droit. Ah, bah c'est pas sympa ça. Non. Bon, en tout cas, vous voyez que nos auditeurs se mobilisent. Mais c'est gentil, hein, c'est gentil que les auditeurs m'envoient des messages. Vous les avez sollicités et comme vous voyez, ils sont là. Écoutez, Julien, ouais, voilà, je pense que des messages vont arriver pour vous tout au long de la soirée. Moi, je vais essayer de vous les redonner au fur et à mesure, le plus possible. Bah, moi, s'il y a des gens qui veulent communiquer avec moi, vous pouvez leur transmettre mon numéro de téléphone avec grand plaisir. Bah, je vous remercie de votre confiance. Merci, Julien. Merci, Julien. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bonne continuation. Merci, bon courage. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Alors, à l'attention de Julien, qui vient de raccrocher avec nous, de la part d'Isabelle et d'Anouchka. Vous avez peut-être, Julien, une garantie de protection juridique avec votre carte bleue qui prend en charge ces frais-là, à défaut de la garantie défense recours du contrat habitation Dixit Isabelle. Éventuellement, donc, vous pouvez regarder de ce côté-là. Bien, mais tout de suite, nous allons poursuivre avec Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Oui, bonsoir, Caroline. Merci de prendre mon appel. Bah, tout d'abord, normal. Je voulais souhaiter une excellente année 2017 à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Mmh. Et voilà, je trouve votre émission complètement formidable. Vous avez une voix vraiment... Merci, c'est gentil, une voix sensationnelle. J'en trouve plus, je cherche mes mots.
Et voilà, une émission formidable que j'écoute tous les soirs. Ça me fait un drôle d'effet de dire ça, parce que d'habitude, j'écoute, c'est ce que l'on dit tous les soirs. Et ce soir, c'est moi qui le dis, voilà. Donc, bref, j'en viens peut-être au sujet. Oui, allez-y. Oui, bon, j'ai 54 ans, j'ai vécu pendant 25 ans avec quelqu'un. Je suis séparée depuis... 25 ans. Oui, 25 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 25 ans? L'usure du temps, je dirais l'usure du temps. Enfin, il faut dire que c'était une personne qui... Bon, il avait 15 ans de plus que moi, il avait des enfants. Et puis, le temps a passé, l'usure du temps, je dirais. Petit à petit, notre relation s'est transformée, pour ma part, en une amitié. Genre, c'est vous qui êtes partie. Amitié. C'est vous qui avez eu envie que ça s'arrête. Oui, c'est moi qui ai demandé c'est moi qui lui ai demandé de partir. Je lui ai dit que j'allais partir. Bon, on a eu des grandes conversations à ce sujet. Bon, je suis partie. Je suis partie. Et je me suis installée toute seule. Je vis très très bien le fait de vivre seule. Je n'avais jamais vécu seule avant. Mais disons que pendant les trois dernières années où j'étais encore avec lui, je m'étais faite à l'idée que j'allais devoir vivre seule, et je me suis préparée mentalement, et ça s'est très 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 bien passé. Maintenant je suis très bien, je suis tout à fait indépendante et ravie. Ma question était qu'il est très difficile après 50 ans malgré tout de refaire sa vie, enfin de la continuer plutôt. Malgré le fait que je sois très bien dans ma vie professionnelle, je vis de façon tout à fait indépendante, j'ai des amis, eux, un relationnel, j'ai un travail intéressant, j'ai tout ça, mais il me manque quand même le principal, à savoir une personne pour continuer. Quelqu'un qui compte pour vous et pour qui vous comptez. Absolument, sans pour autant vivre avec, mais avoir quelqu'un à qui penser, quelqu'un avec qui passer ses week-ends, ses vacances. Le coup de fil du soir, il est important, comment on a passé sa journée, qu'est-ce qu'on a fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai beaucoup d'amis de mon âge autour de moi. Bon, le sujet va peut-être paraître un petit peu plus léger que ce qu'on vient d'entendre. Mais non, bon. Pas du tout. Moi, j'en parlais tout à l'heure en disant qu'effectivement, on ne choisit pas forcément sa solitude. Oui, même si la solitude, je la vis assez bien. J'ai bien rempli, ma vie est bien remplie. Vous regrettez d'avoir rompu ? Non. Bon. Non, je regrette. Non, mais ça c'est déjà important. 10 ans plus tôt. Ah oui, parce que vous pensez que ça aurait été plus facile pour vous ? Oui et non. Pas forcément. Oui et non, forcément quand on est un petit peu plus jeune, mais avec la maturité. Vous savez, Brigitte, je pense que c'est pas du tout une question d'âge. Je pense pas que on soit au-delà d'une certaine limite, le ticket ne soit plus valable. Sincèrement, je pense que ça arrive à tout âge. C'est juste une question de rencontre, la bonne ou pas la bonne personne. Voilà. Et la bonne personne, elle peut arriver passé 50 ans ou passé 60, ou c'est une question de... Voilà, c'est l'autre qui fait que ça arrive. Mais c'est pas l'âge. Ouais. Parce que si vous aviez 4 ans de moins ou 5 ans de moins, je pense pas que ce serait forcément un critère. Oui, non, je pense que c'était comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et puis... 10 ans plus tôt, j'étais peut-être encore bien avec lui. Ça s'est fait. Je regrette pas du tout, non. Je regarde pas derrière, je regarde le présent et l'avenir. C'est pas parce que vous avez, je peux donner votre âge, vous parlez. Tout à fait. C'est pas parce que vous avez 54 ans que vous ne trouvez pas quelqu'un. C'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a des jours où c'est ce que je me dis pourtant. Que non, justement, c'est parce que j'ai 54 ans. J'en arrive à ça. Non, ça n'a rien à voir. Et moi, je vous dis que c'est une question de rencontre et c'est une question de personne. Si aujourd'hui, vous en aviez 48, ça ne changerait pas grand-chose. C'est vous qui le voyez comme ça. Oui, dans les jours les plus noirs, oui. Oui. Ouais, je comprends que vous puissiez le penser en vous se disant, voilà. Mais en même temps, vous savez, on a aussi des tas d'appels de personnes de 30 ans, de 25 ans qui sont seules, qui aimeraient rencontrer.
en permanence. Donc je crois que c'est pas l'âge qui joue, parce qu'il y a toujours des hommes qui ont votre âge, qui aussi sont séparés, qui rêvent de rencontrer une personne pour continuer leur vie. Je pense que l'âge n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Je pense que c'est plutôt une question d'opportunité. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour rencontrer ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me suis inscrite dans pas mal de sites de rencontres, 2, 3, 4. J'ai eu beaucoup de contacts. J'ai rencontré beaucoup de messieurs, prendre un verre, déjeuner, enfin des rencontres amicales, sympathiques. J'ai eu beaucoup. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'arrive pas à trouver la bonne personne. Ces messieurs me disent, je pense qu'il y a un problème aussi au niveau des hommes, pas seulement des femmes. Il y a beaucoup d'hommes et aussi ont peur peut-être de refaire leur vie. Ils portent des bagages, ils ont tous un passé lourd, ils ont tous des expériences malheureuses. Et ils ont un petit peu peur de se remettre dans une relation. C'est vrai, mais les femmes de la même manière. Parce que vous avez quand même fait preuve de stabilité, 25 ans avec la même personne, ça prouve que vous aimez, enfin bon, vous avez une relation pérenne, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Non, je crois que les hommes comme les femmes, après un certain moment, réfléchissent aussi avant de s'engager. Et puis sur les sites, on trouve également pas mal de consommateurs. Oui. Ou consommatrice, si vous voulez. Oui, il y a un petit peu de tout. Oui. Mais bon, même quand, si vous voulez, j'arrive à trouver quelqu'un que je trouve sérieux et qui a les qualités requises, etc., et qu'on discute comme ça de plusieurs jours, si vous voulez, au bout de 3-4 jours, après, hop, la personne a disparu du site. Ou alors il parle avec quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je l'ai plus. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes sur ces sites ? Ah, mais écoutez, je suis séparée depuis 4 ans et demi. Et ça fait depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi. Mais en dehors des sites, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour rencontrer ? Parce qu'il n'y a pas que les sites de rencontres, justement. Justement, c'est ma difficulté parce que j'ai un travail qui est très prenant. Je ne compte pas mes heures, comme je disais à Corentin. J'aime beaucoup, beaucoup mon boulot. Je m'investis beaucoup dedans parce que, effectivement, je sais que le soir, j'ai personne. Et il est vrai que quand arrive la fin de la semaine, eh bien, c'est vrai que je ne sors pas plus que ça. Alors attendez, voilà, petit message de la part de Philo. J'ai 61 ans et je viens de rencontrer mon amoureux dans un cours de danse. Patience, c'est quand on ne cherche plus que cela arrive. Donc 61 ans, voilà, c'est ce que je vous disais. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, peut-être que vous n'aimez pas la danse, mais vous aimez certainement autre chose. N'importe quoi, l'archéologie, la photo, les timbres, enfin tout ce dont vous pouvez avoir, tout ce qui peut vous intéresser ou vous passer par la tête, vous avez le droit à tout, Brigitte. Moi, je me suis inscrite à un cours de gym. Un cours de gym, non, il y avait plus de femmes que d'hommes, franchement. Donc, voilà, n'étant pas très assidue à ce genre de pratique, j'ai arrêté au bout de 5 mois. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Alors voilà, petit message de la part de Fabrice qui dit « Je vous trouve posée, réfléchie, avec une bonne analyse de votre situation. Et à 54 ans, on a encore beaucoup à donner et à découvrir de l'autre. » Vous m'interpellez beaucoup, j'adorerais vous découvrir. Je joins donc mon téléphone, donc on peut vous le donner hors antenne. Et puis, petit détail de la part de Fabrice, par contre, j'ai 45 ans. Ah, je ne suis pas une cougar. Vous n'êtes pas une cougar, mais enfin bon. Oui, on trouve toujours des messieurs de 45. Ça met en forme. Hein. Ou alors après, c'est 65, quoi. Oui, mais pourquoi pas ? Oui, mais pourquoi pas ? Voilà. Oui. En tout cas, lui, il est prêt à vous rencontrer. Mais avec pas de problème.
Avec plaisir, merci. Donc vous voyez, vous avez bien fait de téléphoner, et Bob, encore, qui vous dit, c'est quand on dit « je veux » que l'on ne trouve pas. On ne cherche pas dans un catalogue, laissez faire le hasard. Il y a un peu de vrai dans ce que dit Bob, c'est pas faux, mais moi je dis qu'aussi aujourd'hui, avec la manière de vivre qu'on a, avant on habitait tous ensemble, c'était plus rural, donc on se connaissait les uns les autres. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi connecté et aussi seul. C'est vrai. On est seul. Ouais. Oui, on passe notre temps sur notre ordinateur à pianoter. On est complètement seul. Alors qu'il suffit de lever le nez et vous rencontrez tout un tas d'opportunités dans la vie de tous les jours. Les terrasses de café, les cafés, les activités, pas seulement les clubs de sport, mais tout ce que vous pouvez trouver comme centre d'intérêt commun, ça, la plupart du temps, c'est un bon moyen de rencontrer des gens. Et puis militer, c'est-à-dire, là je plaisante pas, militer, c'est-à-dire occupez-vous éventuellement de caritatif. Oh là là, je cherche mes mots ce soir. Faites du bénévolat, etc. Vous allez aussi rencontrer du monde, vous voyez, qui vont vous ouvrir sur de nouveaux horizons. Le but, c'est d'avoir un intérêt commun. Le fait, c'est que j'ai pas vraiment deux passions. J'ai pas vraiment une passion. Mais on s'en fout, ça. On s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir une passion. J'ai dit intérêt. La salsa, il faut être deux. C'est pas bête, c'est un cours de danse. Oui. Moi, j'aime danser, mais je sais pas très très bien danser. Mais j'aime ça bouger. S'apprend. Je suis quelqu'un de très dynamique. J'aimerais faire plein de choses, c'est sûr. Effectivement, un cours de danse, pourquoi pas. Mais oui, la salsa, le tango, dites-vous qu'il faut aller là où on cherche des partenaires. Oui, j'aimerais bien. Ouais, c'est pas bête, ça. J'ai pas pensé à ça. Alors, vous habitez quelle région ? Alors, j'habite à côté de Bordeaux. Bon, bah, il y a tout ce qu'il faut à Bordeaux. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il faut s'en donner les moyens, c'est tout. Et puis, il y a aussi des organisations qui proposent, comme OVS, on va sortir, qui proposent. Ah, j'y suis. Oui, et oui, alors ? J'ai fait également des rencontres, effectivement. Mais c'est devenu plus des amis, des copains, des relations, bon, avec lesquels ça. Je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de choses comme ça. Et non, mais j'ai pas trouvé, effectivement. Oui, mais on est beaucoup sur OVS à chercher, effectivement, aussi un conjoint ou une conjointe. Mais oui, c'est intéressant. Mais j'y suis depuis 3 ans sur OVS. C'est très bien. Oui, ça, j'y suis. Bon, vous voyez, vous avez compris que finalement, quand vous êtes relié à l'autre par un intérêt, c'est plus facile. Ok, j'ai compris. Bon, écoutez, c'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite bonne chance, Brigitte. Puis surtout, j'espère que le jour où vous allez rencontrer l'heureuse élue, vous allez nous rappeler pour nous dire ça y est, ça m'est arrivé. De façon à ce que tous nos auditeurs et nos auditrices vous entendent, d'accord ? Absolument, je n'y manquerai pas. Dès que je trouve l'appel rare, je vous rappelle Caroline avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, petit message à l'attention de Brigitte, notre dernière auditrice. Le travail, c'est sympa, important, structurant, oui, soit. Mais il y a un temps pour tout et le travail ne doit pas prendre tout son temps. Il y a des choix à faire, peut-être, de la part de Jérôme. Jérôme, je suis d'accord avec vous, mais justement, Brigitte disait que elle aimerait bien ne pas avoir à passer autant de temps au travail et un peu plus avec un amoureux. Et puis un autre message de la part de Dom, qui dit après un divorce très dur, il y a une place pour une nouvelle vie à deux, à 50 ans, avec des projets de voyage et de beaux week-ends, même si le retour à la vie commune n'est pas toujours souhaitable et souhaité. Bon, nous, on va continuer avec Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Alors moi, je suis très contente de vous avoir parce que ça fait 4 ans que je vous écoute. Oui. Et je n'ai jamais eu le courage de le faire. Ah bah ça, c'est bravo ce soir, mais on est le 1er janvier 2017. Voilà, c'est une bonne résolution. Voilà, alors je vous explique ma situation. Oui. Alors, j'ai 75 ans. Oui. Au dire de mes amis, je ne les parais pas du tout. Je travaille encore. J'ai été mariée, j'ai eu 5 enfants. 5 enfants, bravo. 5 enfants. Et en 1980, j'ai eu un divorce qui s'est relativement bien passé. Et pas de ma faute, hein, un mari qui est parti, voilà. Et puis, 5 ans après,
Plus que ça, même en 95, oui. J'ai commencé à ressortir avec des amis que je m'étais fait. Bravo. Je suis allée danser. Mmh. C'est fou la danse, hein. Voilà. Ah oui, la danse, très importante pour moi. Ouais. Donc je suis allée danser et dans une discothèque qui ouvrait dans ma région, j'y ai rencontré, la deuxième fois que j'y suis allée, un monsieur qui était seul, enfin qui était seul, oui, qui était accompagné de gens qui faisaient du rugby, qui avaient beaucoup consommé, qui avaient, voilà. Et puis, j'ai trouvé cette personne, triste, un petit peu quand même. Je lui ai accordé une danse, oui. Sans plus. Une danse. Une danse, parce qu'il ne savait pas danser d'abord. Et puis, il avait bu, donc ça ne m'intéressait pas du tout. Ah oh non, c'est pas très sympa de danser avec quelqu'un qui est un peu éméché. Voilà. Et puis, la deuxième, au moment de partir, il m'a demandé si je pouvais partir avec lui. Évidemment, non. Ouais. Et il m'a dit, écoutez, je vous attendrai une journée, une semaine, un mois, un an s'il le faut. Waouh. Mais comme il avait bu, ouais, vous n'avez pas d'intérêt. Bon. Deux mois après, nous sommes retournés dans cette discothèque. Et il y était. Il n'avait pas consommé. Il était très élégant. Oui. Et là, je suis tombée amoureuse. Ah. Donc il a fallu deux danses. Ouais, voilà. Mais trois mois d'attente. Ouais, entre les deux. Voilà. Bon, voilà, deux danses. Nous ne sommes pas repartis ensemble. Nous avons encore attendu un mois. Et au bout d'un mois, il m'a demandé si j'étais libre. Je lui ai dit oui, oui, oui. Et je dis, je tiens exactement à ce que la personne qui m'accompagne soit libre aussi. Il m'a dit, comme l'air. Ah. Donc j'étais très contente. Nous avons entamé une relation qui a duré un an. Dans cette relation-là, j'apprends au bout d'un an, par l'intermédiaire d'un ami, que ce monsieur était marié. Ben, vous n'êtes pas curieuse ? Si, si, j'ai cherché. J'avais des aucun indice, mais quand même, je recherchais. Attendez, quelqu'un qui vous dit « tu pourras être libre comme l'air », oui. Il me semble que vous auriez pu vous poser des questions. Pardon, je dis ça, pas du tout pour vous accabler. Non, mais c'est juste tout. Que ça aurait pu vous mettre la puce à l'oreille. Eh bien, y a, au démarrage, non, parce qu'il m'a invité chez lui. Ouais, il n'y avait pas de photo de famille, il n'y avait pas rien. Pas du tout. Ah. Alors, pas de photo de famille, pas de photo de femme. Une chambre, une maison très confortable, une chambre qui lui appartenait, une salle de bain qui lui appartenait. Rien m'indiquait qu'il pouvait y avoir une femme. Mmh. Donc, mais j'y suis allée chez lui que trois fois, vu que moi je travaillais et que mon travail était là où j'habite. D'accord. Donc ça ne m'intéressait pas tellement de coucher chez lui. C'est donc lui qui est venu, pas régulièrement, mais souvent. Mais vu que je travaillais, si vous voulez, l'inquiétude, non, ça ne m'a pas pris. Mais au bout d'un an, en allant voir un concert, un ami m'a dit, tiens, au fait, je t'ai vu avec un tel. Ouais. Oui, c'est bien. Et figure-toi que je connais sa femme. Ah bon ? Il me dit, oui, il est marié et sa femme travaille dans un grand hôpital. Waouh. De nuit. Ça a dû... ah, de nuit ? De nuit, elle était infirmière de nuit et moi je suis aide-soignante de jour. Ah c'est beau ça, c'est pratique. Donc on ne pouvait pas se rencontrer. Donc je suis allée le voir là où il était à la caserne et je lui ai dit, voilà, à partir de maintenant je te laisse, tu m'as menti, je te laisse. Pendant trois mois, il est revenu à charge, je veux t'avoir, je veux absolument pas, je suis malheureux chez moi, enfin bref. Et notre relation a repris pendant 21 ans. Waouh, 21 ans. 22 ans le 15 janvier prochain. Ah. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 21 ans ? Des hauts, des bas, des joies, des peines. Ouais. Et je vous dis que toutes mes copines savent que je vous appelle, elles m'écoutent tous sur leur sur votre poste. Ah, vous les avez prévenues ? Ah oui, parce qu'elles me disent « tu le feras jamais ». Et alors, au bout, 22 ans de haut, de bas, d'attente, de pleurs, de joie. Oui. Des vacances, pas de vacances, plus de vacances. Alors, des vacances.
des vacances, Collioure, la Normandie, la Bretagne, enfin, voilà. Et puis, il y a 4 ans, il s'est fait opérer d'une opération que les hommes redoutent beaucoup, la prostate. Aïe. Je lui ai dit, je serai toujours là pour toi. Je t'ai tellement aimé, tu m'as tellement aimé, je serai toujours là pour toi. Donc, pendant 2 ans, je l'ai vraiment soutenu corps et âme. Oui. Je faisais des attentes de 4, 5 heures, des journées entières, pour avoir 5 minutes de le voir. Je lui ai remis le moral comme il fallait. Oui. Mais il y avait toujours cette vie sexuelle qui le gênait. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avoir... Il ne pouvait plus. D'accord. Mais moi, j'estimais que l'âge que nous avions, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était extraordinaire. Bon, après tant d'années, j'étais prêt à vraiment à le garder jusqu'au bout, vous voyez. Oui, je comprends, parce que vous étiez très attaché. Très attaché, très amoureux. Donc, mais depuis 2 ans, il vient, il appelle, il ne veut pas casser. Donc, l'année dernière, quand même, j'ai dit au mois d'octobre, bon, alors écoute, moi, je vais prendre la décision pour toi, ou tu reviens, ou tu reviens pas, et moi, ben, je vais refaire faire mon train. Alors, il m'a dit que non, qu'il n'était pas du tout prêt à couper, qu'il allait faire des efforts. Donc, au mois d'octobre, l'année dernière, enfin, je vous parle de 2015, oui. Nous avons fait... un séjour de 3 jours du côté de Bordeaux, ça a été magnifique. Puis en février, nous avons fêté la fête des amoureux, ça a été aussi magnifique. Puis, il s'est de nouveau éloigné, coup de téléphone. Mais alors sa femme dans tout ça, je peux avoir quelques précisions? Eh bien sa femme, elle a su ma relation. Oui. Sa fille m'a téléphoné un jour, j'ignorais même qu'il avait une fille. Donc, ouais, en fait, vous ignoriez tout. J'ignorais tout au début. Alors, quand sa fille m'a téléphoné, je lui ai dit, écoutez, je vous promets, je n'avais pas du tout l'intention de faire de peine à votre père, parce que moi, ma décision, c'était de la faire avec un homme libre. Si votre père était dans une discothèque, c'est que quand même, il devait être malheureux. Bah non, c'est-à-dire que sa femme travaillant la nuit, il a du temps de libre. Oui, mais même, c'était pas un couple très heureux par la suite, j'ai su. Ils étaient en séparation de corps. Oui. Donc, il avait une grande, grande, grande liberté. Mais je pense que son opération... lui a enlevé ses forces. Ça a été l'arrêt. Hein. Oui. Mais il ne veut pas me perdre. Oui, et vous voulez quoi? Eh bien, moi, je veux plus de ça. Où il vient? Et on continue notre relation telle que... Il vient, c'est-à-dire de quelle façon? Vous voulez le voir de temps en temps? Vous voulez qu'il quitte sa femme? Ah non, jamais. Jamais on a posé cette question-là. Qu'il fasse comme il faisait avant, tous les 15 jours, on vient, on fait une balade, on part en vacances, on revient, moi je prends mon boulot, il repart chez lui comme avant. Vous n'êtes pas très exigeante, hein? Pas du tout. Ouais. Et puis, au mois d'août, on est arrivé au mois d'août là, il me dit, écoute, voilà, tu as tellement attendu, tu m'as tellement soutenu. Eh bien, écoute, le deuxième week-end de septembre, nous partons à Collioure, 4-5 jours. Oui. Et puis, on reprend, on va reprendre notre vie comme elle était. Je vais être malheureux d'être à côté de toi, mais je le fais quand même. Oui. Donc, comme je travaille énormément, puisque je suis aide-soignante et je fais du libéral. Oui. Donc, je travaille 4 à 6, 8 heures par jour, plus toutes les nuits. Waouh, vous êtes courageuse, Nicole. Donc, je lui dis, d'accord pour le 15 septembre, je vais me faire remplacer et puis je t'accorde 3-4 jours. 2 jours avant le 15 septembre, il a éteint son portable. Et il vous a planté. Voilà. Il vous a planté alors qu'il vous avait promis ce week-end. Voilà. Et c'est là que la goutte a dépassé. Donc, il m'a retéléphoné le 18 en me disant, tu sais, oui, j'aurais dû, écoute, excuse-moi, j'aurais pu,
Et je ne l'ai pas fait. Et alors, comment il explique ça? J'ai dit, écoute-moi. Est-ce que tu penses qu'on en aura d'autres? Oui. Est-ce que tu penses que tu vas me retéléphoner régulièrement? Ah oui, tiens, je te rappelle. Ben, écoute, dans la semaine, je t'appelle. Et écoute, je te rappelle, je t'aime. Voilà. Donc, j'ai attendu du 17 septembre au 30 septembre. Et le 30 septembre, eh ben, il m'a pris une fantaisie. Je lui ai rompu la ligne téléphonique que j'avais avec lui, puisque je payais la ligne téléphonique. C'est vous qui l'a payé? Oui, pendant 18 ans. Eh ben, dites donc. Donc, j'ai résilié la ligne téléphonique et je n'ai plus de nouvelles. Ah, ben voilà. Bien. Mais seulement, aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, depuis le 8 octobre, ben je suis très malheureuse. Bien sûr. Voilà. Donc j'essaye j'essaye de continuer ma vie. Je me lance dans le travail à un point pas possible. Oui, doucement, hein, Nicole, quand même. Voilà, mais c'est ce qui me sauve. J'ai des copines qui m'écoutent et je les remercie parce qu'elles m'ont beaucoup aidée. Oui. Mais en particulier Monique. Et puis, j'essaye d'aller danser. J'essaye d'aller boire à un pot de temps en temps. Bah, c'est bien, c'est ce qu'il vous faut. Il faut essayer de se changer les idées. Oui, parce que vous voyez bien. Mais je n'arrive pas, Caroline. Ah, mais vous allez arriver. Vous allez arriver. Je compare les personnes. Je compare. Je me dis, oh non, celui-ci, il n'est pas si beau que mon Pierrot. Ah ouais. Bah non, celui-ci. Mais Pierrot, vous l'avez eu par intermittence, Nicole. Vous l'avez toujours partagé. Il n'est jamais vraiment venu. Pierrot, vous y avez cru, mais finalement, au clair de la lune, il est parti. Voilà. Alors, que faire? Rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez tenu pendant 21 ans sans rien faire. C'est pas maintenant qu'il est définitivement parti que vous allez aller le chercher. Ah non, ça je veux pas. Bon. Je veux pas aller le chercher. Bon, bah, y a rien à faire. Hélas, j'aimerais vous donner une solution, mais il n'y a rien d'autre à faire que de regarder autour de vous et de retourner comme vous le faites, aller danser. Oui, mais j'arrive là-bas, je suis malheureuse. J'ai refusé d'aller à un réveillon où bon Noël s'est bien passé avec mes enfants. Et puis là, au jour de l'an, bon, ben, évidemment, j'ai mes gendres qui m'ont dit, au fait, on voulait vous dire, et Pierre? Oui, on voulait vous dire tout ça. Tous vos gendres et vos enfants, vos filles, elles ne vous posent pas la question. C'est formidable, ça. Mes filles l'ont posé beaucoup de fois. Oui. Mais ils voyaient tellement que j'étais malheureuse. Ils me disaient, maman, c'est ta vie. Si tu le quittes, tu comprends bien qu'on va être d'accord. Mais comme tu es malheureuse, on n'a rien à te dire. La décision que tu prendras sera la bonne. Ah, vous avez des enfants bien, hein ? Bravo. Voilà. Et nous, on est là. Bon, alors donc là, il y a eu une réunion de gendres. Voilà, et mes gendres, bah, ils me disent, je crains qu'ils reviennent. Ah, ils vous disent ça? Non, moi je crois pas. Hein, vous croyez pas, vous? Non, voilà. Non, moi je ne crois pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez très bien identifié la raison. Il n'y a plus de relations intimes entre vous. Non. Donc, je crois que malgré tout, lui, ça le renvoie, bah, forcément, on va appeler les choses par leur nom, à un sentiment d'impuissance. C'est ça. Il se sent inutile, se demande à quoi il sert, voilà. Et ça le renvoie justement à une image de lui qu'il n'aime pas. Il est atteint dans sa virilité, voilà. Et être avec vous et ne rien pouvoir faire, ça lui fait pas du tout plaisir, vous avez bien compris. Et quand il me dit, quand je suis avec toi, quand je suis dans tes bras ou quand je vais partir, je suis l'homme le plus malheureux. Oui, mais alors c'est... donc voilà. Oui, voilà, mais au fond, si vous voulez, c'est sa virilité qu'il a perdue et chaque fois qu'il vous voit, c'est à ça qu'il pense. Voilà. Sa femme, beaucoup moins, puisqu'avec elle, visiblement, il se passait plus grand-chose. C'est ce que vous dites. Voilà. Bon, mais vous, c'est autre chose. Vous étiez celle avec laquelle il avait cette relation charnelle, donc ne plus pouvoir avec vous avoir cette relation-là, bah, c'est finalement se dire que tout ça est inutile et il doit très très mal le vivre. Voilà, c'est ça. Alors. Ne pas lui en vouloir. De toute façon, je vais vous dire. Ça fait, vous avez été avec lui pendant 21 ans. 22 ans, le 22 15 ans, janvier, là. Voilà. Ce qui est passé est passé. Et au moins, une chose est sûre, vous l'avez aimé. Oh. Donc, vous avez vécu. Oui. Alors, c'est vous qui avez eu raison. Mais
Mais aujourd'hui, je suis seule. Ah bah oui, bien sûr, aujourd'hui vous êtes seule. Mais je vous ai dit, pas forcément pour toujours, et puis ça n'a qu'un temps. Et puis ça voudrait dire quoi de retrouver tout de suite quelqu'un qui ait la même valeur que votre histoire, ça n'en était pas vraiment une. Nicole, on va devoir s'interrompre quelques instants le temps du journal. Vous ne raccrochez pas, je vous retrouve tout de suite après. D'accord ? D'accord. Je vous attends, Caroline. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Antenne toujours, le 39-21 pour participer à l'émission et passer avec moi à l'antenne. Alors, il est minuit passé de 9 minutes et nous sommes déjà le deuxième jour de l'année 2017. On a déjà bien entamé la discussion, on va continuer à bavarder tranquillement, se raconter les joies comme les petits bobos qui jalonnent votre quotidien. 39-21, je suis à votre écoute et puis si un sujet vous turlupine plus particulièrement en ce moment ou si une idée importante vous agite à minuit 9, on développe tout ça ensemble. 739-21, en commençant par le mot nuit pour vos réactions par SMS et vos mails sur notre site Europe 1. Europe 1, Caroline Veil. Bon, un peu avant le journal, nous étions avec Nicole. Nicole, vous êtes toujours avec nous ? Oui, toujours. Bon, alors je résume pour les auditeurs qui nous prendraient là maintenant tout de suite. Vous avez vécu 21 ans une passion, on peut appeler oui, ça comme une ça. Voilà, une relation amoureuse avec un homme qui était marié, bien entendu. Comme vous n'avez découvert le fait qu'il soit marié qu'au bout d'un an seulement, vous étiez déjà très attachée. Ah oui. Vous avez essayé de vous détacher, ça n'a pas marché, vous y êtes retournée. Et maintenant, on en est à près de 22 ans. Seulement, voilà, il y a 3 ans, il a subi une opération qui le laisse sans grands moyens. Et depuis, il espace les rendez-vous, voire il n'y a plus de rendez-vous du tout. Voilà. C'est ça. Et vous êtes triste. Alors, je suis triste, oui, parce que je me dis, mais je n'ai pas de regrets ni de remords. Mais j'ai donné ma vie pendant 21 ans à quelqu'un. Et se quitter comme ça, je trouve que c'est... Oui, c'est très triste. Bien sûr que c'est triste, mais est-ce qu'il y a une bonne façon de se quitter ? Je ne sais pas. Il n'y en a pas. C'est toujours triste. C'est toujours triste et douloureux. Une rupture, ça fait toujours souffrir. Il vous aurait dit, bon, j'ai pris la décision qu'on ne se voit plus parce que tu vois, quand je te vois, finalement, je me sens inutile, tous ces beaux moments, et moi, ça me donne une image de moi que je n'aime pas. Vous n'auriez pas aimé non plus. Vous lui auriez dit, mais voilà, il n'y a pas de bonne façon. Non, mais on aurait eu au moins une conversation. Tandis que là, il me le dit par téléphone, il me rappelle 15 jours après, des fois 3 semaines. Mais c'est parce qu'il n'ose pas vous le dire, Nicole. Il voilà, n'ose pas. C'est ça. Voilà, mais je pense moi, j'étais au-devant, vu que je suis dans le milieu, j'étais au-devant. Oui, bien je sûr. Je lui ai dit que ce n'était pas important. Mais... Non, mais lui, ça lui donne une image de lui qu'il n'aime pas. Il se, voilà. Il se sent diminué, il se sent dévalorisé et il doit avoir honte de vous le dire. Voilà. Et il doit ne pas avoir envie de vous faire de la peine aussi. Je crois tout simplement qu'il n'arrive pas à vous le dire. Ouais. Alors, il laisse la relation s'effilocher comme ça. Ouais. Alors, Monique, certainement votre copine, vous dit un de perdu, 10 de retrouver. Moi, je suis plutôt d'accord avec Renaud qui dit dans sa chanson « Un de perdu, c'est 10 copines qui arrivent ». Voilà. C'est ce que je vous conseille de faire pour l'instant. Passer le plus de temps possible avec vos amis de façon à être soutenue, à ce qu'elles vous remontent le moral. Oui, mais ces copines-là qui me remontent le moral, elles sont toutes accompagnées, elles. Ah, elles sont toutes accompagnées. Et qu'est-ce qu'elles vous disent ? Et voilà. Alors forcément, si vous voulez, aujourd'hui, ben, je me retrouve seule. Oui, bien sûr. Hier soir, tout le monde est allé faire la fête. Et
et moi non, alors que c'est bah, arrivé oui. avec lui de faire des réveillons formidables. Bah, j'imagine bien. Mais écoutez... Alors j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit dans les 70 ans de mon âge. Et puis qui soit libre. Plutôt que je... En plus je suis dynamique, j'aimerais bien sortir, bah, ça s'entend. Faire des voyages et tout ça. Bah, et tout ça, on va le faire. Et tout ça, on va le faire. Un peu de patience encore, Nicole. Mais d'accord. Ça nous va. Je vous sens guillerette et forcément, ça va arriver. Alors, bien sûr, j'imagine que vos amis vous ont dit, mais quand même, un homme marié pendant 21 ans, c'est du temps, tu prends un risque. Moi, je répète, vous avez aimé, donc vous avez vécu. Et puis, de toute façon, c'est derrière. Alors, profitez de tous les beaux moments en souvenir que vous avez eus et que n'ont pas eu, que n'ont pas eu d'autres. D'accord ? C'est sûr. On reste là-dessus, Nicole. Je vous embrasse pour la nouvelle année. Moi aussi, je vous embrasse très très fort. Au revoir. Et si vous avez des appels... On ne manquera pas de vous les communiquer, c'est entendu. Très bien, je vous remercie beaucoup, Caroline. Merci à vous, au revoir, Nicole. Merci, ça m'a fait plaisir et bonne année à vous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir Caroline, merci de me prendre à l'antenne. Bah, c'est vous qui avez appelé, donc vous connaissez le principe. Voilà, en fait je vous appelle parce que j'ai fait avec mon petit compagnon la tournée un peu des amis pour les vœux. Oui. Aujourd'hui, et puis ce soir j'étais chez des voisins qui ont un petit garçon de 6 ans. Ouais. Votre compagnon c'est qui? C'est l'homme avec lequel vous vivez? Non, on vit pas ensemble, mais bon, c'est mon amoureux depuis 5 ans, quoi. Ah, bravo, c'est votre amoureux, j'aime bien entendre ça. Voilà, c'est mon amoureux, et puis on n'habite pas ensemble, mais on s'entend super bien. Oui. Et on n'habite pas ensemble parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même rythme horaire. C'est-à-dire? Ben, lui, il se lève hyper tôt le matin, et moi, je me couche très tard le soir, vers 3 heures du matin. Oui. Et puis, je me lève plutôt vers 11h, midi, quoi. Alors, comment vous faites pour vous retrouver? Eh bien, le soir, on mange tous les soirs ensemble chez lui. Ah, bon, c'est bien. Alors, ce soir, vous dîniez chez vos voisins? Alors, ce soir, on est allé donc faire la tournée, manger un bout de bûche, tout ça. Puis, ça s'est bien passé. Alors, on est allé chez une dame qui a 80 ans, on a bu le cidre, on a mangé de la bûche. Après, on est allé voir un autre ami, ça s'est bien passé. Puis, on a été chez des voisins qui ont un petit garçon que je garde de temps en temps pour dépanner. Oui. Et que j'adore, hein, qui est très intelligent et intéressant, qui s'intéresse à tout, qui communique beaucoup. Et ce petit... Quel âge a-t-il? Il a 6 ans. Il a 6 ans, d'accord. Ouais. Et ce petit... je l'ai gâté à Noël, j'ai offert, il adore les robots aspirateurs, vous savez. Oui, ouais, ils aiment tous ça à cet âge-là. Voilà, parce que les ils adorent faire le ménage. Après, ça passe, allez savoir pourquoi, mais à cet âge-là, ils aiment beaucoup oui. Aspirer. J'ai un robot aspirateur chez moi et il rêve que son chat monte sur le robot aspirateur. Ah bah, ça va vous faire un beau petit programme en perspective, ça. Voilà. Vous nous envoyez la photo, hein. Ah oui, il faudra que je vous envoie ça sur le site Europe 1. Ouais, je veux la photo du chat sur le robot aspirateur. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Bon, mais venons-en au fait. Donc, vos voisins, parents du petit garçon, vous invitent à dîner. Voilà, ils sont jeunes, ils ont la trentaine, hein, les parents. Hein. Bien sûr. Voilà, puis ils ont eu ce petit garçon qu'ils ont beaucoup désiré, qui a été un petit enfant prématuré, enfin, qui chouchoute beaucoup, quoi. D'accord. Ah, il est très aimé, gâté aussi. Et puis, figurez-vous que, bon, au bout d'un quart d'heure, quand j'étais encore assise sur le canapé, mais j'ai dit, ben, on va y aller parce qu'on doit rentrer manger. Et le petit garçon, debout, on était tous dans le salon, donc c'est deux parents, le petit garçon, mon petit compagnon et moi, on était tous dans le salon, et le petit garçon... Mais pourquoi vous dites mon petit compagnon? C'est la deuxième fois que vous le dites, ça me... Comment il faudrait que je dise, alors? Ben, mon compagnon, pourquoi mon petit compagnon? Bah, parce qu'on dit mon petit ami. Ah oui, mais on dit ou mon petit ami ou mon compagnon. Vous avez fait. Vous... Enfin, c'est pas grave, hein, c'était plus, juste comme grand, ça. Il fait 1m82. Ah bah alors. Bah alors, mon petit ami. Oui. Et moi, nous nous apprêtions à partir. Et le petit garçon, au moment où on s'apprête à partir, il dit un truc qui a fait un peu un incident, je dirais, diplomatique.
il dit, Mathilde, mon papa, il dit des insultes sur toi. Ah oui, ah bah c'est intéressant ça, c'est intéressant. Et oui, et alors le papa était très mal à l'aise, il dit, mais n'importe quoi, je dis pas d'insultes sur Mathilde. Puis le petit dit, si, tu dis des insultes sur Mathilde. Et il dit pas lesquelles. Et il dit pas lesquelles, et puis... Il est malin, hein. Ouais, j'étais très embêtée, puis j'ai dit, mais il dit quoi? Il dit que je suis une vieille grand-mère, comme j'ai 53 ans, puis que sa mamie, elle est au petit garçon, elle est décédée, il me prend un peu pour sa grand-mère, voyez? Bien sûr. Puis j'ai dit, est-ce qu'il dit que je suis une vieille grand-mère? Puis... Et alors, il veut pas dire quoi? Non, il veut pas dire quoi, puis je sentais bien que le petit, il y a vraiment quelque chose de vrai, mais... Il n'aime pas ça. Visiblement, il n'aime pas ça. Ça ne lui fait pas plaisir. Oui, voilà, ça ne lui fait pas plaisir. Ouais. Et la maman, elle disait quoi? Ben, la maman, elle était un peu gênée. Et puis, elle disait, mais pourquoi tu dis ça, Maxime? Ah. Et Maxime, qu'est-ce qu'il a répondu? Maxime, il dit, c'est pas toi, maman. C'est papa qui dit des insultes sur Mathilde. Ouais. Donc, on peut penser que c'est vrai. Voilà. Et puis, si vous voulez, ce qui m'embêtait, moi, je me suis pas formalisée. Comme j'ai des défauts, j'imagine quand il mange avec ses parents, sûrement que son papa a dû dire « Oh ben, Mathilde, elle pourrait faire le ménage. » Parce que le petit, chez moi, c'est vrai qu'il est heureux. Parce qu'en fait, si vous voulez, par exemple, quand il mange un bonbon, le papier, eh ben, il s'est habitué à un peu le jeter où il voulait, quoi. Ah ben, c'est pas malin, ça. Je vous félicite pas, Mathilde. Non, ça c'est pas malin. Mais c'est parce qu'en fait, comme c'est le bazar chez moi, il croit qu'il peut le faire, quoi. Oui, mais c'est à vous de lui dire qu'il ne peut pas, justement. Le bazar, c'est vous qui le choisissez, c'est pas à lui de le faire. Ouais, d'accord. Ouais, on est. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, je suis embêtée parce que ce petit garçon, moi j'aime bien l'avoir de temps en temps chez moi. Ouais. Parce qu'il m'aide la vie, il me change un peu. Je m'occupe de 4 associations et puis je suis toujours dans les papiers, toujours préoccupée. Et quand il vient, ce petit garçon, il me ramène au réel, si vous voulez. À la vie. À la vie, voilà. Ouais. Et puis ça fait de l'animation autour de vous. Vous passez ensemble l'aspirateur, c'est formidable. Bon, écoutez, moi, j'ai une petite idée sur ce que vous pourriez faire pour rétablir un peu la situation. Parce que visiblement, si Maxime vous dit ça, c'est qu'il aime pas ce qui se passe. Il aime pas que son père dise, allez, des insultes. C'est peut-être pas des insultes, mais en tout cas des critiques. Oui, voilà. En tout cas, des petits mots, enfin des choses qu'il entend et qui ne lui plaisent pas. On est bien d'accord. Voilà. Le papa, il s'y attendait pas. Il s'est fait prendre comme ça par surprise. Maintenant, je pense que Maxime a dû prendre un bon savon, donc il doit être embêté. Et puis, que vont faire les parents? Ils risquent d'être gênés vis-à-vis de vous et de moins vous le confier. Alors, je verrais bien une solution pour arranger tout ça. Invitez-les à dîner. Ah oui. Bah oui, parce que si vous les invitez à dîner, vous voyez, ça veut dire que vous ne leur en voulez pas, que ça n'a pas d'importance pour vous, que l'affection que vous avez pour Maxime, ça passe au-dessus, et puis que tout le monde a le droit finalement à ses moments d'humeur et que on va pas se formaliser pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est pas mal, oui, de les inviter à manger. Bah oui, vous les invitez, vous les invitez à dîner chez vous, et comme ça, ils vont venir, bien sûr, et puis ça va vous permettre de repartir du bon pied, de renouer des relations, puis vous allez surtout vous ne parlez de rien, d'accord? Parce que vous voyez, Caroline, moi après quand je suis partie, j'étais embêtée, je savais pas comment rattraper. Cet incident, alors j'ai téléphoné, j'ai laissé un message à la maman en disant « Vous inquiétez pas, je me formalise pas, c'est pas grave, la bûche était très bonne, il a fait une bûche avec sa maman, elle était délicieuse. » Ouais. Et puis j'ai dit « La bûche était félicitations au pâtissier, etc. » Et je sais pas comment faire parce que quand j'étais sur le pas de porte, j'ai vu que le papa... prenait son enfant sur le canapé et le rouspétait, quoi. Bah c'est sûr, voilà, maintenant ils sont bien embêtés. Donc ce qui veut dire que le père, il doit pas être tellement fier devant son fils de ce qui s'est passé. Bon, écoutez, moi je crois que si vous les invitez à dîner, c'est une bonne manière de passer l'éponge et de dire, on oublie tout et on recommence. Mais le petit, il risque pas à ce moment-là de dire encore plus? Non,
Le petit dira rien parce que ce qui va lui faire plaisir, c'est que vous ne soyez pas fâchée. Ah ben il a vu que j'étais pas fâchée. Non mais il veut pas que, vous savez bien comment c'est, quelqu'un va vous faire du tort et puis c'est celui qui vous a fait du tort qui est fâché après. C'est, ne me demandez pas pourquoi, mais on constate que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, vous savez bien. Ah ouais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les inviter comme si de rien n'était, vous ne parlez de rien. Comme ça, le petit va constater que vous n'êtes pas fâché, que tout ça n'a pas d'importance et qu'il a bien fait de le dire. Et désormais, son père fera attention à ce qu'il dira devant lui. Voilà, parce que ce qui m'inquiète, en fait, Caroline, principalement, c'est que je ne voudrais pas que ce petit garçon, il perde sa spontanéité. Voilà. Bah, vous ne parlez de rien, vous ne posez pas de questions comme ça, vous verrez bien que les parents vont de nouveau le laisser aller chez vous. Tandis que si vous dites rien, tout ça, une jeune va s'installer forcément, et puis après, vous le verrez peut-être moins, parce que les parents diront « bon, on veut pas être redevable envers cette dame ». Vous comprenez ? Puis ça leur rend service aussi. Ben oui, je leur rends service quand ils sont coincés, ils travaillent tous les deux assez dur. Et quand ils sont coincés en gardienne, et ben en fait, je le prends à l'improviste. Oui. Bon, ben voilà, c'est sympa. Il faut que ça continue. Vous en avez envie. Ben oui. Et puis, je l'adore, ce petit garçon. Ouais. Voilà, vous faites du babysitting, en fait. Ben, du babysitting. C'est moi aussi qui suis aidée par ce petit garçon. Oui, bien sûr. Mais vous y trouvez tous les deux votre compte. Et puis, vous avez plaisir à être l'un avec l'autre. Voilà. Parce que, vous savez... Comme ce n'est pas beaucoup d'heures que je le garde, mais en fait, ses dessins, tout ce qu'il fait, ses activités, ça me ramène au réel et ça me fait du bien. Bah, je comprends, vous avez raison. Moi, je serais vous, je les inviterais et je leur dirais, on va se faire un petit repas en début d'année, comme ça, ça met tout le monde de bonne humeur. Vous voyez, vous ne parlez de rien. Mais j'ai envie de le faire au restaurant, qu'est-ce que vous en pensez, Caroline ? C'est un peu trop formaliste. Ah, parce que chez moi, le problème, c'est que c'est petit. Oui. Et j'ai pas vraiment une installation pour être aussi nombreux à table, quoi. Bon, écoutez, ne vous prenez pas la tête avec ça. Faites comme vous le sentez. D'accord. D'accord. Que ce soit chez vous ou dehors, c'est pas très grave. Mais vous inquiétez pas, c'est pas même si. Faites ce qui vous plaît, faites la manière dont vous le sentez et ce qui vous met le plus à l'aise. D'accord. Faut surtout pas, par exemple, que je demande au petit garçon, quand il sera seul avec moi, qu'est-ce qu'il a dit ton papa ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, d'abord parce que son père a dû lui dire de ne pas vous le dire, donc vous allez le mettre en porte-à-faux. Ah, d'accord. Il va d'un côté désobéir au papa et vouloir vous faire plaisir à vous, il va être mal à l'aise. Et d'accord. Puis s'il a envie de vous le dire spontanément, et est-ce que vous avez vraiment envie de le savoir ? Ben non, justement. Alors ne posez pas la question. Mais en fait, je n'ai pas envie de le savoir, mais ce qui m'inquiète, c'est que le mot « insulte » qu'il employait. Mais le mot « insulte », vous savez, c'est un mot un peu fort dans la bouche d'un enfant. Ce qu'il a dû entendre, c'est quelque chose qui n'était pas en votre faveur. Voilà. D'accord. C'était le contraire d'un compliment. Mais vous pensez que l'enfant, il ne peut pas mentir ? Non, je crois que l'enfant, il ne ment pas. D'accord. Je crois que l'enfant, il ment pas, mais vous savez, peut-être que le papa dit « oh, elle l'a trop gâté, après il va être trop gâté ». Quelque chose comme ça. Vous pouvez pas savoir exactement. Elle est pas vraiment sa grand-mère. Enfin, vous voyez quelque chose qui. Il a peut-être dit ça. C'est pas vraiment ta grand-mère. Même parce que le petit, il a peut-être revendiqué. On sait pas. Mais c'était pas. Ça pouvait pas être très méchant quand on vous entend, Mathilde. D'accord. D'accord. Okay. D'accord. Bon, alors je prévoirai un petit repas et puis à la bonne franquette chez vous, c'est pas plus mal. D'accord. Bon, je vous souhaite bonne chance et puis vous vous appelez pour nous raconter comment ça s'est passé. Eh ben, je vous remercie, Caroline, et bonne année. Hein. Mais bonne année à vous aussi. Au revoir, Mathilde. Au revoir. Alors, à l'attention de Mathilde qui vient de raccrocher avec nous, un petit message de la part de Joseph qui dit « Un goûter peut aussi faire l'affaire même dans un salon de thé ». Donc vous voyez, nos auditeurs sont d'accord. Et allez-y Mathilde. Bon, maintenant on va continuer avec Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Alors vous appelez, je crois, pour une bonne nouvelle et je vous en remercie. Mais je vous laisse nous expliquer tout ça.
Et ben voilà, je me suis fait opérer du canal lombaire. Oui. Le 23 novembre. Oui. Et puis voilà, ça va mieux, beaucoup mieux. Voilà, ah oui. Parce que j'ai eu de votre part des témoignages de personnes qui se sont fait opérer aussi, qui m'ont beaucoup encouragé. Voilà. Bon, vous aviez peur avant cette opération, Jean-Paul ? Ah oui, oui, bien sûr. Vous hésitiez à la faire ? Ah oui. Qu'est-ce que vous déménagez là ? J'entends que j'entends des petits bruits derrière. Oui, oui. Oui, oui. J'appelle les flics. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est mon épouse qui est pas très très contente de. Pourquoi, de mon témoignage, voilà. Pourquoi elle n'est pas contente ? Pourquoi elle n'est pas ben, contente de votre témoignage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Mon numéro personnel. Hein. Voilà. Ouais, parce que vous vous êtes opéré, vous aviez peur, et puis les auditeurs ont participé, vous ont expliqué en quoi cette opération allait, ce que vous alliez avoir à subir. Du coup, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Au contraire, vous appelez pour dire que tout va bien et que maintenant vous êtes en bonne santé. Voilà. C'est bon, ça. On va pas se mettre de mauvaise humeur pour autant. On est bien d'accord. Non, pas bon. Du tout, non. Bon, voilà. Bah, écoutez, je suis très contente de savoir que vous allez mieux, Jean-Paul. Voilà. Mais qu'est-ce qui... Voilà. J'entends aussi des bruits. Très bien. Bon, on va... J'ai pris mon numéro personnel. Bon, voilà. Bon, on va... Bon. On va vous laisser et puis vous nous rappeler éventuellement une prochaine fois. D'accord ? D'accord. Au revoir, voilà. Jean-Paul, merci. Au revoir. Merci. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Caroline Veil. Bon, petit intermède. Catherine avec nous maintenant. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Merci de me prendre à l'antenne. Bah, écoutez, moi j'appelle pour faire un petit peu écho à l'appel de Brigitte tout à l'heure qui disait qu'elle avait 53 ans et que c'était compliqué pour elle de retrouver la rencontre. Ouais. Alors moi j'en ai 68, ça fait 10 ans que je suis divorcée. J'ai eu quelques rencontres qui n'ont pas été favorables sur le long terme, si je puis dire. Et pourtant, je sors, je vois des gens, je vais en voyage, je fais plein de choses. Et je n'ai pas rencontré la personne qui convient. Ah ben voilà, c'est comme ça pour l'instant. Alors, pour l'instant, Catherine. Oui, alors je me demande ce qu'il faut faire, parce que bon, je suis sur OVS aussi, mais c'est vrai que c'est pas là non plus forcément qu'on peut rencontrer. Mais j'ai des contacts, mais voilà, et c'est compliqué parce qu'en fait, moi je recherche quelqu'un qui soit sincère, qui n'ait pas une double vie, encore que ça peut évidemment. Être aussi. Ouais. Hein, voilà, évidemment. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais vous savez, vous recherchez en même temps, vous êtes sur OVS, mais est-ce que vous avez des activités qui vous permettent de rencontrer Je suis partie d'une antenne, Interage, où je fais des cours d'espagnol, parce que j'aime bien. Je suis partie d'un cercle de lecture, mais je n'ai pas rencontré mais c'est là. Pas, a... C'est pas tellement le genre d'endroit que fréquentent les hommes. Hein. Non, mais voilà, c'est clair aussi. Mais bon. Bon, alors, il faut aller là où ils sont. Ils sont où ? Ah ben écoutez, puis il y en a peut-être aussi beaucoup qui sont là et qui sont pas, enfin pour qui ça ne marcherait pas forcément. Aussi, c'est pas toujours alors, facile. Alors je suis partie, j'étais pourtant, je me suis inscrite sur une agence dans une agence patrimoniale et j'ai pas rencontré non plus la personne. J'ai rencontré des gens sympathiques, hein, ceci dit. Une agence bon, matrimoniale. Oui. Je croyais que depuis les sites de rencontres, elles avaient moins bonnes. Les sites de rencontres, moi, ça m'a pas vraiment beaucoup branché. J'ai rencontré des gens, mais enfin bon, des personnes. Il y a aussi beaucoup de gens, d'hommes qui disent pas les choses de réel. Enfin voilà. Ouais. Bon, non, mais j'ai fait l'option d'une agence matrimoniale où j'ai pu rencontrer des gens avec un profil compatible, je dirais. Ouais, et là non plus, comment ça se passe dans une agence matrimoniale, en fait? Si vous voulez, vous avez une rencontre avec la personne qui est responsable de l'agence, on vous fait remplir un profil, on discute avec la personne, et puis bon, elle essaye de chercher dans ses fichiers quelqu'un qui corresponde à votre profil. Ouais, bien et sûr. C'est pour ça que je dis que les profils ne sont pas toujours non plus... Exact. Compatible, voilà. Ouais. Parce que j'ai rencontré quelques personnes, ça fait pas très longtemps que j'y suis. Bah, c'était des gens charmants, hein, ceci dit. Mais c'était pas compatible avec ce que j'avais envie de. Il faut quand même un minimum de points communs, il faut avoir quand même des choses en commun, il faut aimer les mêmes choses, il faut. Ouais. Non, c'est pas.
Qu'est-ce que vous aimez faire, vous ? Ben moi, j'étais prof d'anglais, donc j'aime tout ce qui est un peu attaché à la lecture. J'aime la musique, le théâtre. J'adore la mer. Je vis pas loin de la mer, donc j'adore ça. La voile ? Un petit peu, oui. Parce que la voile, là, si vous prenez des cours de voile, par exemple, là, vous allez en rencontrer des hommes. Ouais, mais enfin, je suis pas une grande voileuse. Hein. Je suis plutôt bateau-moteur. Bateau-moteur, bon. Voilà. Mmh. Bon, le ski nautique. Oui, ce serait intéressant. Oui, bon, le ski nautique, il y a des hommes. Ouais. J'adore non, je faire la marche dans l'eau de mer aussi, des balades, des choses comme ça. Bon. Pour vibrer pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, quand on a été mariés 30 ans, c'est pas si simple. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il est parti avec quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Avec un amour de jeunesse qu'il a retrouvé. Qui me dit qu'il a retrouvé, mais je pense qu'il l'avait toujours en point de mire. Et c'était un voileux aussi. Il est parti en Martinique, là, avec sa copine. Bon, c'est bien, moi, je lui souhaite du bonheur. Je ne sais pas du tout dans la vengeance, et, ni dans, dans le mépris. Hein. Je lui souhaite que du bonheur. Puis j'ai des enfants qui aimeraient bien aussi que je retrouve quelqu'un. J'ai une petite fille qui a 6 ans qui me dit « Mamie, il faut que tu trouves un amoureux. » Et alors les voyages, il n'y a pas des voyages comme ça qui sont oui, organisés? Je suis allée au sport d'hiver, parce que j'adore le ski aussi. Je suis allée au sport d'hiver l'année dernière. Il y avait des hommes sympathiques. Mais pour certains qui n'étaient pas seuls, enfin je veux dire qu'il y avait compagne à la maison ou je sais pas, enfin qui n'étaient pas disponibles. Et puis d'autres bon, qui étaient gentils, mais qui n'ont pas sont pas révélés être... Ouais. Des amoureux potentiels, je dirais. Écoutez, c'est pas compliqué. Il faut aller vers le type d'activité qui va être aussi celui des hommes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je me dis que je vais peut-être me mettre au golf, ça me plairait bien. Eh ben, le golf, pourquoi pas. Mais il ne faut pas non plus négliger tout ce qui est bénévolat, association caritative. Oui. Oui, parce qu'il y a Resto souvent aussi, voilà, Resto du cœur, il y a aussi des hommes formidables qui sont prêts. Et puis, ah, moi, oui, vous partagez un intérêt commun et quoi qu'il arrive, vous y ferez forcément des belles rencontres. Mais là, je me demandais si je n'allais pas aller voir dans ma commune, là où j'habite. Ouais. Et puis aussi, puisque vous habitez dans une commune, si vous vous investissez à la mairie, dans le social, là aussi vous allez rencontrer des hommes. Ah oui. Ben oui. Pourquoi pas ? C'est une idée, c'est une piste. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Maintenant, si vous prenez, on en parlait tout à l'heure, de cours de salsa ou de tango, ça marche aussi, parce que là encore, il faut un ou une partenaire. Oh oui, il n'y a pas trop ça dans moi. Non, bah, jetez un petit coup d'œil aux alentours. Ouais. Hein bon, vous ouais. ne manquez pas d'imagination, Catherine. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance en tout cas, mais bah, c'est vrai que aussi. C'est pas si simple. Si vous avez des contacts, vous pouvez m'en... Tout à fait, mais rappelez-vous, c'est pas une question d'âge. C'est pas une non, question c'est ce d'âge. Que je pense, c'est certainement pas une question c'est d'âge. C'est une question d'opportunité, c'est une question de rencontre. Mais là, je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne désespère pas non plus, mais c'est vrai que bon, les week-ends, on veut pas, même si j'ai des amis, on ne peut pas toujours être avec ses amis, toujours être avec ses enfants. Donc il y a des week-ends. Bon, hier soir j'étais sortie, mais aujourd'hui j'étais toute seule. Il y a des soirées qui sont voilà. Bon, des attendez. Week-ends, des vacances. Attendez, c'est magnifique. Il y a Inès qui nous envoie un petit message et je vous le donne. Pour rencontrer des hommes, il faut aller dans les magasins de bricolage ou dans les grandes surfaces après 18h. Les célibataires viennent faire leurs courses. Voilà mesdames, bonne année à tous. Et c'est de la part d'Inès. Elle a pas tort, Inès. C'est gentil. Mais à un moment donné, il y avait des supermarchés comme ça. Alors, on affichait sur son caddie, quand on avait un caddie avec une pastille d'une certaine couleur, vert par exemple, bah, ça voulait dire qu'on était célibataire. Donc tous les célibataires... Mais oui, et ça marchait pas mal du tout. Tous les célibataires mettaient une pastille verte, comme ça ils pouvaient se reconnaître entre eux. J'ai déjà entendu ça dans une émission où il y avait Caroline Dublanche avec une dame qui disait qu'elle avait rencontré quelqu'un dans le rayon des bricolages de je sais plus quelle grande surface. Oui, ça c'est une idée. Mais oui. Et puis il y a aussi, c'est vrai, tous les célibataires qui viennent faire leurs courses après 19h parce que ça veut dire qu'on n'a pas de famille. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un tour du côté des écrous ou des vis. Ou des... Moi qui ne suis pas du tout bricoleuse. Non, mais vous allez vous faire conseiller. Puis alors moi, je vous donne un autre truc. Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais si vous avez une voiture, voilà, vous ouvrez le capot et vous prenez un air embêté devant le capot. En principe,
Vous devrez, en principe, c'est pas mal. Il devrait quand même y en avoir 3 ou 4 qui s'arrêtent pour vous donner un petit coup de main. Et il faut se mettre sur le bord d'une route, effectivement, parce que si c'est dans mon jardin, c'est pas tellement... Dans votre jardin, ça sert à rien, mais voilà, ou dans la rue. C'est hein. un peu risqué, votre conseil, dans la rue, pas toute seule au bord de la route, Catherine. Ah, voilà, oui. Dans voilà. la rue, mais dans la rue, ça marche aussi, vous ouvrez le capot et vous attendez. Je vais faire ça demain, tiens. D'accord. Intéressant, je vous tiendrai au courant. Bah, j'espère bien. Non, mais c'est une bonne idée, ça. À laquelle je n'avais pas songé. Bon. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne année à vous et encore merci pour votre dynamisme et votre sens de l'humour que je trouve tout à fait sympathique. Merci à vous Catherine, au revoir, à bientôt. Et tout de suite nous prenons Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Alors bonsoir, bonne nuit, bon matin, je ne sais pas. Il est 0h50, voilà 0h50. Ravi de vous avoir au téléphone, vous êtes adorable Caroline. Bon voilà. Ben voilà, je suis un vieux bonhomme de 70 ans. Ouais. C'est pas vieux. Bah si, mais pour moi, je le ressens, si vous voulez comprendre. Mais un vieux bonhomme amoureux depuis quelques années. Alors vous avez 20 ans. Parce que vous avez les mêmes chagrins qu'à 20 ans, donc vous avez 20 ans. C'est pareil, finalement ça ne change jamais, je n'arrête pas de le dire. Oui, bon, j'ai fait 38 ans de sport, donc je peux faire la différence quand même. Voilà. Donc là, c'est plus tellement ça, mais c'est plutôt sentimental, quoi. Mais oui. Moi, je vous appelle parce que, voilà, je suis amoureux depuis 3 ans et demi et j'arrive pas à me défaire de l'image de cette femme qui est une femme tout à fait traditionnelle, rien d'exceptionnel, mais elle est dans mon cœur et je ne m'en sépare pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre ? Bah écoutez, j'ai rencontré cette femme en boîte de nuit dans ma région, dans les Côtes d'Armor. Et au départ, finalement, j'ai pas fait attention à elle. Et elle a fait attention à moi. Elle vous a vu. Et finalement, j'ai craqué comme un imbécile ou je sais pas, ou tout être humain peut le faire. Et finalement, ça a duré que 15 jours, mais mon souci, le gros souci, Caroline, c'est que elle m'a laissé tomber dans l'indifférence totale. Moi, j'aurais bien voulu savoir pourquoi, et là, je me tourmente à cause de ça. Bah alors, je n'arrive pas. Écoutez, alors, donc vous l'avez rencontrée dans une boîte de nuit. Elle venait là pourquoi ? Elle habitait la région ? Oui, bien sûr. Oui. Elle avait l'habitude d'y aller ? Oui. Bon. En plus, c'est bon, une boîte de nuit un peu régionale, je vais dire. Tout le monde va là quand on veut aller en boîte, voilà, c'est tout. Bon, mais elle habitait par là ou elle était en vacances ? Non, elle habitait là. C'était, eh ben oui, vous avez raison, c'était au mois d'août, mais c'était pas en vacances. Elle habitait là. Bon, et j'ai même son adresse d'ailleurs. Ce que l'on m'a reproché, c'est de pas aller la trouver, mais bon. Vous savez, quand on vous laisse tomber, il y a certaines personnes qui vont aller persécuter. Moi, je ne persécute pas. Je suis resté chez moi et voilà, j'ai attendu l'éventuelle lumière qui me reviendrait. Voilà. Alors, donc c'est elle qui vous choisit, c'est ce que vous dites. Finalement, vous craquez. Oui. Bon, ça se passe. Ça se passe chez vous ou ça se passe chez elle ? Chez moi. Chez vous. Pas chez elle. Pas chez elle. Et au bout de 15 jours, ça s'arrête. Elle ne vous dit rien. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben moi, je suis très mal parce que je suis du genre un peu direct. Tu ne me plais pas, je te laisse. On n'est pas fait pour vivre ensemble. On n'en parle plus, quoi. C'est clair. Alors que là, l'indifférence totale. Et je crois que l'indifférence est la pire des armes. Voilà. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit de l'indifférence. Ah bon ? Ouais, moi je me pose la question, c'est une éventualité, une hypothèse. Hein. Je me demande si elle n'était pas mariée. Non, divorcée. Divorcée. Vous êtes sûr de ça ? Veuve une fois et divorcée une autre fois. Ouais. Ah, vous êtes sûr de ça ? Ah certes. Ah bah c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Moi, c'est ce qu'elle. Vérifié, hein. C'est ce qu'elle vous a dit. C'est ce qu'elle vous a dit. Mais ce n'est pas forcément vrai parce que pour vous laisser tomber comme ça du jour au lendemain dans la plus grande indifférence alors que ça marche bien, c'est, on a l'impression que c'est vous voyez c'est comme une parenthèse qu'on s'est offert ensoleillée voilà avec un amoureux pendant 15 jours et qu'au bout de 15 jours eh bien on retourne à sa vie de tous les jours.
Non, parce que là, je pense qu'elle avait peut-être eu envie d'une petite relation sexuelle, quoi. Et puis voilà, ça c'est, voilà, on a eu des rapports hein, sexuels. Bon, ben voilà, mais ça s'est terminé comme ça, quoi. Honnêtement. Hein. Ouais, mais moi, elle est restée dans mon cœur. Et puis voilà, j'ai eu d'autres relations derrière. C'est pas pareil, quoi. Voilà. J'ai même eu une relation particulière. Pour couvrir un petit peu cette relation, me dire bon voilà, j'ai eu un échec, je vais avec cette femme et voilà quoi. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, même avec les autres femmes que j'ai rencontrées derrière, elle est toujours dans ma tête. Qu'est-ce qui vous avait touché chez elle? Voilà, bonne excellente question. Elle n'était pas très jolie. Ouais. Mais voilà, c'était mon genre de femme. Hein. Ouais. En plus, intellectuellement, elle était proche de mes idées, le peu qu'on a pu en parler. C'est-à-dire hein. Mais voilà, c'est tout. Vous voyez, 70 ans, je vous téléphone. J'ai 70 ans. Ouais, vous... Je crois encore au coup de foudre. Et moi aussi, j'y crois. Ça ne s'arrête jamais. Ah ben, j'espère bien. Et puis vous, vous êtes jolie et jeune. Qu'est-ce que voilà. Vous en savez? Mais moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Une femme, une relation sexuelle, bon, d'accord, je veux bien. Mais vous m'avez l'air quand même d'un homme très attachant. Je suis pas plus qu'attachant. J'ai beaucoup d'amis et j'ai beaucoup de relations. Mais je suis très attachant. Encore hier, j'avais une soirée karaoké chez moi. Ça a pété. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a pété. Et j'ai... Vous étiez et combien? On a fait la fête et puis on a chanté, on a dansé. J'espère bien. Vous avez oui, bien. Oui, je suis attachant. Ouais. Parce que, en fait, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi. Pas des gens qui me louent ou qui me... Qui me soit redevable. J'ai besoin de gens pour être entouré et faire la fête, c'est tout. Ouais. Et elle aimait faire la fête? Non, là, j'ai pas eu l'occasion de faire. Non. Parce que vous savez, peut-être que vous vous illusionnez beaucoup hein, sur cette rencontre. Ça a duré 15 jours, 15 jours, c'est court. Bien sûr, ouais. L'intensité n'a rien à voir avec la durée, ça on est bien oui. D'accord. Mais en même temps, est-ce que c'est une relation qui aurait perduré dans le temps, un an, deux ans, 15 jours pendant les vacances, au mois d'août, il y a du soleil, voilà, on se laisse aller, et puis arrive septembre, arrive ouais. Décembre, arrive tout ça. Je vais encore vous couper, pardonnez-moi, parce que je sais bien qu'à la radio, vous aimez bien tout dire, mais moi, je vais tout dire, puisque je suis là pour ça. J'ai rencontré derrière une de ses amies ouais. Qui a fréquenté le même homme qu'elle. Et ce qui se passe, c'est que finalement, évidemment, puisqu'elles ont fréquenté le même mec, elles sont un petit peu en dualité. Hein. Mais c'est une... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la deuxième femme oui. qui était quand même quelqu'un de très assis, très intelligent, dont si, mais bien sûr, je ne donnerai pas de détails, n'aimait pas la première, que moi j'aimais. Voilà. Oui. Non, elle ne l'aimait pas, mais forcément, voilà, si elles étaient rivales, elle ne pouvait voilà, pas l'aimer. Mais... Est-ce qu'elle vous a dit quoi. Qu'elle avait l'habitude comme ça de faire trois petits tours et puis s'en vont? D'après ce que j'ai compris, oui. Oui. Trois petits tours et puis s'en vont. Ce qui m'a surtout choqué, et je devrais avoir médité sur ce point, c'est qu'elle, cette femme-là, au départ, bon, j'étais en boîte, hein, je vous l'ai dit. Oui. Donc je dansais avec une de ses amies. Oui. Et en fait, elle a doublé une de ses amies. Voilà. Elle l'a poussée. Elle l'a doublée, oui. Elle l'a poussée pour se mettre devant vous et que vous dansiez avec elle. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et là, ça m'interpelle quand même parce que je me suis dit, c'est peut-être une habitude chez elle. Voilà. Ouais. Elle vous a choisi en même temps. Bah oui. C'est pas désagréable comme sensation. Ah, pourtant, je suis pas très beau, mais je suis comme je suis. Bah en tout cas, vous lui avez plu. Oui, je lui ai plu. Oui. Ouais. Voilà, c'est vrai, elle m'a conquis, je suis, voilà, j'ai, et même à mon âge, alors là j'avais 66 ans, 67 ans, hein, puisque
là, ça fait 4 ans que je pleure un petit peu. Mais voilà, oui, mais je crois que vous l'idéalisez complètement, cette relation. Je crois que c'est parce que c'est elle qui vous a laissé en plus. Donc, du coup, vous vous sentez, vous n'avez pas choisi, vous avez subi. Oui. Finalement, vous n'avez pas choisi grand chose dans cette histoire. Oui. Elle vous a choisi, elle vous a pris, et puis elle est partie. Oui. Voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui vous laisse un peu sur votre faim. Oui. Vous êtes un peu frustré. Vous n'avez rien décidé. Elle a tout décidé pour vous. Et voilà. Alors, je voudrais quand même vous dire qu'il y a Cathy qui dit « Moi aussi, j'aime faire la fête, chanter et rire. Bienvenue au club. » Et elle donne ses coordonnées. Donc, éventuellement, on va vous les communiquer hors antenne. Et aussi, Kate. Écoutez, ça vous a fait du bien d'en parler, de parler oui. d'elle. Moi, j'ai bon espoir que quelqu'un d'autre ne ravise votre cœur à nouveau. Voilà. Bah, mais on, écoutez, mais on voilà, doit se quitter. Je... On doit se quitter, hélas, parce que oui. notre émission s'achève. Et je vous dis au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et tout de suite vous allez retrouver Nikos Aliagas de Quoi j'ai l'air et vous serez toute la semaine prochaine en compagnie de Caroline Dublanche.